Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de diamond painting. Non, j'avais fait les cartes de Noël pour mes petits-enfants, mais que mon fils m'avait demandé. Et là, aujourd'hui, ce sont celles que, pour moi, enfin pour mes petits-enfants aussi, mais que moi, je vais leur donner. Voilà, on va y arriver. Je n'achète pas de jouets à mes petits-enfants. Je n'achète pas de... Voilà, parce que de toute façon, j'ai toujours peur de tomber à côté. Et puis, de toute façon, je ne préfère pas. Je préfère leur donner une enveloppe avec des sous-sous dedans. Comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'achètent ce qu'ils ont envie. Et au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà, c'est plus simple. Puis de toute façon, ils sont plus sur leur portable, leur tablette, les jeux, la Play, tout ça. Donc, au moins, ils s'achètent un jeu pour leur Play ou ils font ce qu'ils veulent. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis au moins, si c'est, je me suis trompée ou si ça ne marche pas ou quoi, pas besoin de courir au magasin pour refaire un échange. Alors voilà, bon, moi les cartes sont déjà faites, donc vous ne les verrez pas faites, vous ne verrez pas le tuto ou quoi que ce soit, parce que ce sont des cartes que j'ai déjà faites depuis un petit moment, et qui étaient dans ma boutique, alors j'avais déjà une boutique avant, où il y avait de tout, les bijoux, les cartes, les cartonnages, etc., que j'ai fermé, puisque ça ne fonctionnait plus, et puis j'en avais marre. Suite à certaines réflexions, mais bon, ça, on passe à côté. J'avais juste réouvert une mini-boutique où je ne vendais que les cartes. Voilà, je ne faisais plus que des cartes et ça fonctionne pas plus. Voilà, donc je n'ai vendu aucune carte, à part une amie qui m'en a demandé... Il m'en a demandé deux ou trois, je ne sais plus. Donc, voilà. C'est les seules cartes que j'ai vendues. Voilà. Je pense que cette boutique va fermer également. Il n'y aura que deux ou trois personnes qui, lorsqu'elles auront besoin de cartes, me les demanderont en message privé sur mon Facebook, à qui je les ferai, hein, avec beaucoup de plaisir. Mais je crois que je vais arrêter certainement de la boutique aussi pour les cartes, puisque ça n'intéresse personne. Voilà. Peut-être que c'est trop cher, hein. C'est vrai que bon, les cartes en supermarché, on va peut-être les trouver à 1 euro, 2 euros, mais bon, elles sont fabriquées en Chine par des machines. Moi, elles sont faites en France, à la main. Le prix n'est pas pareil, mais bon. Le fait main plaît à beaucoup de monde, mais pas le prix. Voilà. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, si les gens préfèrent acheter ce que tout le monde a chez soi et pas cher et fait en Chine, bah... Hein ? Voilà. Donc, j'ai pris des cartes que j'avais donc faites déjà, que j'avais mis dans ma boutique. Je vais vous les montrer. Donc, la première, alors je vais les déballer, parce que du coup, elles étaient emballées, hein, sous blister. Donc, voilà la première. Voilà, qui est hop, comme ceci. Donc, j'avais découpé, j'avais recollé une carte, vous voyez, avec mes petits gnomes. Voilà. La seconde. Il y en a toi. En forme pupitre. Donc voilà.
avec un papier holographique que j'avais fait. Toujours avec mon petit gnome hein, que j'avais colorisé. Donc celle-là, elle s'ouvre comme ça en forme pupitre. Et voyez que j'avais un dies sapin. Et la dernière, viens là. Donc pareil, en forme pupitre, voilà, qui est moins enfant, donc celle-là elle ira à ma plus grande. Hein. Voilà, toujours en forme pupitre, comme ceci. Alors, je vous montre que c'est bien mes cartes, hein, parce que bon, on pourrait dire, bah non, c'est pas les siennes. Elles sont bien tamponnées à mon nom. Hein. Voilà. Vous voyez. Bon, là, on va peut-être moins le voir parce que c'est rouge. Donc, là. Et celle-ci, j'avais marqué à la main parce que je n'avais pas encore reçu mon tampon à l'époque que je l'avais faite. Voilà. Donc, c'était bien moi qui les avais faites. Donc tout ceci pour dire que maintenant comme moi je vais leur offrir de l'argent pour qu'ils achètent ce qu'ils veulent, je vais faire une petite enveloppe pour mettre dans à l'intérieur des cartes. Donc là vous aviez vu sur les autres pochettes, sur les autres cartes que j'avais fait des petites pochettes parce que c'était pour mettre les petites cartes style comme ça hein. C'était pour mettre ça, tandis que là, moi, je vais faire les petites enveloppes puisque c'est pour mettre de l'argent. Donc, on va faire ça. Alors, je vais vous mettre sur ce pied-là. Vous verrez mieux ce que je vais faire. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser ma Scoryboard. Voilà, donc je l'avais acheté à Action. Hein. Donc elle est toujours. Je la laisse emballer comme ça je ne perds pas mon pliloir. J'ai toujours ça. Et j'ai au moins j'ai toujours mes explications derrière si j'ai besoin. Donc ça, c'est celle que j'avais eue à Action. Je ne sais plus combien je l'avais payée, mais elle était vraiment pas chère. Hein. Je crois que c'était dans les 3 euros. Oh, ils l'ont plus en ce moment. Hein. Ils vont peut-être la ressortir. Alors, hop. Donc, pour faire les enveloppes, on se sert de ce côté-là. Alors, je vais... alors, je prends mon... Je vais prendre ça aussi pour couper mon papier. Alors, je vais essayer avec d'abord avec ce papier-là. En espérant qu'il ne s'arrache pas, parce que vous savez que les papiers Action sont épais. Et j'ai toujours peur que ça s'arrache. Mais bon, on va bien voir. Alors, je vais faire un carré de 16. On va voir. Alors, attendez, je vais d'abord la couper. Je vais d'abord la recouper droite. Voilà. Alors, je disais, je vais faire un carré de 16. J'avais fait 15 l'autre jour, mais bon, je la trouvais un peu petite. Donc là, je vais faire 1 cm de plus. Je vais faire 16. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai bien 16. Je recalcule sur mon tapis. Ouais. Alors, donc je prends vous avez compris? Donc là, je vais compter. Alors, je vais vous montrer.
il y a des graduations. Donc ici, c'est en inch. Ici, c'est en centimètres. Donc moi, je vais prendre les centimètres. Je vais compter la moitié. Donc 8 centimètres. Donc je le mets sur l'envers. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. J'espère que ça ne va pas s'abîmer. Donc je fais comme ça sur les quatre côtés. Donc 8, 8, 8, hein, partout. Et le dernier côté. Huit centimètres. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Maintenant, j'ai besoin donc de ma perfo. Donc avec la perfo, je vais perforer. Alors d'abord, que je me trompe pas, que je ne me trompe pas de côté. Alors attendez, je vérifie juste. Oui, non, c'est bien là. C'est de ce non, c'est ce côté-là. Voilà. C'est bien ça. Donc on prend ce côté-là. Voilà. Ici. Je ne sais pas pourquoi chercher. Hein. Donc on va s'aligner sur les lignes qu'on a faites. Et on appuie. Voilà. Voilà. Alors, on fait les quatre côtés, hein, si je ne me trompe pas, oui. Voilà. Et maintenant, on va arrondir les angles. Donc on prend l'autre côté de la perfo. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on reprend son pliloir et ce qu'il faut, c'est plier. Alors, on va voir si c'est là qu'on va voir si le papier se craque ou pas. J'espère pas. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, il faut coller. Donc, je vais prendre ma colle. Je prends celle-là. Elle colle super vite. Ah. Okay. Et maintenant, on va rabattre ce côté-là.
Voilà. Donc, je vais mettre un peu de poids dessus. Hop, le temps que ça colle. Donc, bah, là, le papier a l'air d'avoir tenu. Alors, ça va aller pour les deux cartes comme ceci. Donc, sur celle-là et sur celle-ci. Celle-ci, comme vous voyez, voilà, elle est un peu spéciale. Donc, là, il va falloir que je vais mesurer pour voir ce que ça prend comme place. Et voir si je dois faire une 15 ou une 16. Je pense que ça va être du 15. Allez, allez, allez. Alors, j'ai prié Saint-Antoine de Padoue. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent. Alors, les catholiques connaissent peut-être. Saint-Antoine de Padoue, c'est le saint que l'on prie quand on a perdu quelque chose. je cherche depuis hier ma petite mallette où j'ai tous mes washi tape dedans. Et elle est dans ma pièce. Mais où ? Mystère et boule de gomme. Je ne sais pas. Et pourtant, j'en ai un gros paquet dedans. Et je ne sais pas. J'ai besoin. Alors, ça va être pas terrible. Ça va pas faire Noël, ça. Je sais vraiment pas où je les ai mis. Hein, où j'ai mis ma mallette. Je la retrouve pas. Quand je vous dis que j'ai besoin de ranger ma pièce. Alors, ce que vous pouvez faire. Moi, là, c'est parce que j'en ai plus. Voilà, je pense que c'est bon, là. Oui. Vous voyez ? Donc là, c'est collé. C'est bon. Encore un petit peu. Il faut encore attendre un peu. Ce que vous pouvez, si vous en avez, c'est des scratchs double face. J'en avais aussi. Alors, est-ce que j'ai ça encore dans mon tiroir à couture qui a besoin aussi d'être rangé ? Parce que quand il a fallu que je couds des masques, ça a été le boxon complet. Voilà. Et du coup, je ne sais plus si j'ai encore des scratchs. Oh là là. Quand je vous le dis, quand je sors un truc, il faudrait que je le remette tout de suite à sa place quand je m'en sers plus. Voilà. Mais là, c'est pas mon cas. Non, je sais pas où je les ai mis, mes scratchs non plus. Par contre, voilà, je viens de retrouver un truc. Regardez, je viens de retrouver ça. Regardez. C'est une vieille... Alors, oh, tout est tombé. Une très, très, très vieille boîte à couture qu'une mamie dont je m'occupais m'a offert. Alors, je ne sais même plus si c'est pas en argent. Attendez, il faudrait que je la nettoie. Vous voyez, ça c'est pour mettre les aiguilles dedans. Ça c'est un petit poinçon. Le dé. Ça je ne sais plus ce que c'est. Ah, c'est un petit crayon. C'est un petit crayon. Là aussi, il y a des aiguilles dedans. Et le ciseau. Regardez cette merveille. Il faut que je les nettoie. Et la boîte, elle est magnifique. Mais alors, c'est extrêmement vieux. Hein, voyez. Il faudrait qu'un jour, je me mette à la nettoyer, à la faire briller.
Et ça, j'ai dit, je m'en servirai jamais, hein. Mais c'est quand j'étais auxiliaire de vie, c'est même pas la mamie, hein, qui me l'a donné, c'est sa fille qui me l'a donné quand quand sa maman est décédée. Comme c'est moi qui lui avais fermé les yeux, elle m'avait donné ça, puis d'autres choses. Sa boîte également, qui est pas loin, là, que je vous la montrerai un de ces jours. Sa boîte d'aiguilles à tricot, toutes les choses comme ça. Et ça, c'est une chose auquel je tiens énormément. Voilà. Et des objets de couture aussi qu'elle m'avait donné. Et ça, c'est dans mon tiroir. Donc, faut pas que je le perde. Alors, je cherchais mes scratchs. Non, ben, j'ai plus mes scratchs, j'en ai plus. Ou ils sont mis ailleurs, je ne sais pas. Ah, tiens, j'ai retrouvé mon déco vite. Ça fait des mois que je cherche après. Bon, il est là. bon, tant pis. Je vais mettre mon petit bout de washi, hein, c'est pas grave. Alors, en voilà une de faite. Donc, je vais mettre du double face sur ce côté-là. Voilà. Puisque ça, c'est le côté qui va être collé à la carte. Je rajouterai une petite pointe de colle en plus pour être sûre que ça ne bouge pas. Oh là là, je suis toujours tout tombée. C'est une Gaston Lagaffe, moi. Un vrai Gaston Lagaffe. Donc, on va le mettre dans celle-ci avec le petit gnome. Alors, heureusement, j'ai pas fait attention, mais heureusement, je l'ai mis dans le bon sens, les OOO. Donc, à faire attention quand il y a une image, un texte ou... Ah ben j'ai dit j'allais mettre de la colle. Oh je vous dis aujourd'hui je suis pas dans mes. Alors toi, mets-toi là. C'est la fin de l'année, hein. On commence à être fatigué. Hein. On va se remettre un petit. Voilà, on va prendre ça. Et peut-être. Donc, je vais me remettre un petit joyeux Noël, là.
Voilà. Bon, on le voit peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est rien, c'est pas grave. Et je voudrais mettre... mettre une petite image sur le côté. Là, j'arrive à l'enlever. Allez, viens. Viens voir maman. Voilà. Alors, ici ou en haut? En haut. Petite image comme ça. Bon, là, à l'écran, vous voyez pas très très bien, mais moi, sur la carte, moi, je vois bien. Voilà. Donc, après, une fois que j'aurai mis mon argent, bon, c'est bête, hein. Bon, si je retrouve... comment ? J'ai encore jusqu'à demain, hein, pour retrouver ma mallette. Après, je remets un petit bout de washi, hop, pour fermer. Puisque le washi, ça s'ouvre très facilement, hein, ça s'enlève très facilement. Il y a juste à tirer un petit peu dessus. Voilà. Et voilà. Donc, la première carte est faite. Donc, vous mettez votre argent dedans ou un chèque, si vous, vous offrez un chèque. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Mais bon, aux petits-enfants, souvent, on offre plutôt de l'argent. Puis, ils préfèrent, hein, parce qu'un chèque, ils vont se dire, c'est quoi ça? Je suis pas Rothschild. Donc, voilà, la première. Allez, on va faire la deuxième. Donc, on va choisir une autre couleur, peut-être. Alors, j'ai essayé avec celle-là. Donc, pareil, 16... Allez, je la prépare et donc 8. Donc là, on va aller plus vite, hein.
Donc voilà, mes trois cartes sont terminées. Donc je vous remonte les pochettes. Voilà. Donc là, on l'a fait avec un carré de 16. Donc la pochette fait 8 sur 8. Là, pareil. 16 et donc 8 sur 8. Et ici, on l'a fait avec un carré de 14, pas 15 comme j'avais dit tout à l'heure. Et on a une pochette donc de 7 sur 7. Voilà. Et du coup, vous voyez, on ne voit pas la pochette à travers. Donc voilà, les trois cartes pour mes petits-enfants. J'ai plus qu'à y mettre les petits sous-sous dedans. Et ils seront très contents de leur cadeau. Je le sais d'avance. Parce qu'ils aiment bien d'avoir des sous-sous pour mettre dans leur tirelire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. J'y répondrai comme d'habitude bien volontiers. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce au passage, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite à tous encore une fois un très joyeux Noël. À bientôt. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous.